content. Bon, donc Cédric de retour, le clash de la drague en direct dans... allez, 20 minutes à tout casser là, on approche du moment chaud de l'émission là. Quand tu veux ma gueule. J'espère qu'après le clash, tu pourras encore t'asseoir et après, après ce que je vais te mettre. On verra mon pote, on verra ce que je vais te faire moi. Vous avez vos méthodes de drague? Ouais, moi ça y est, moi. Ouais, c'est... Alors attention. Je l'ai moi. Voici. Je l'ai, je la tiens. Les méthodes de la soirée pour draguer. Cédric, hein, quelle est ta méthode? Alors ce soir, moi je vais dire que je suis un geek. T'es un geek. Ouais, je vais simplifier pour les familles hein, parce qu'elles vont pas comprendre. Oui, c'est si, mais dis-leur ça. Ouais, t'inquiète. Et en fait, on m'a conseillé en fait de faire l'amour avec une femme ou avec un homme pour me retirer ça de moi en fait, pour être un peu moins geek. Pour être moins geek. Ouais, j'espère que ça sera plus carré avec les familles parce que là. Ouais, t'inquiète pas. Ben. Donc ça, c'est la méthode de Cédric. Merci Cédric. Ouais. Et la méthode de Romano. Salut Romano. Moi, c'est la méthode fin de week-end. Méthode fin de week-end. Ouais. C'est-à-dire, tu as volé une méthode à Cédric, là, c'est pas possible. Ah non, mais moi, je vais vous expliquer. En fait, j'ai regardé à la télé, Bison Futé a dit que c'était trop bouché ce soir. Ouais, alors en fait, que c'est pas trop bouché. Et finalement, oui, bon, les familles, elles savent pas. Hein. Ouais. Certains voulaient bien. Elles d'ailleurs. Savent pas par. Mais t'as pris l'autoroute, pauvre con. Bah, j'ai vu l'autoroute. Bah non, donc alors, pas de problème. Super l'autoroute. Moi, je prends tout le bordel du côté des retours des plages. Ouais. Après, sur les grosses villes. Mais là, du soir, sur la 6, il y a eu merde, parce qu'il y a eu un gros accident, là. À Mâcon. Ouais, à Mâcon, là, il y a eu un camion et tout. Bon, si vous nous écoutez dans les bouchons, vous salue. Eh bien, ce soir, moi, je préfère rentrer demain et, vu que ce soir, je sais pas où dormir, on va aller faire connaissance chez la famille, quoi. Ah, la méthode bouchon, week-end. C'est ça, bison futé, ouais, quoi. Ouais, c'est pas mal. On va dire la méthode bison futé, je vais l'appeler comme ça. Wow, c'est la méthode bison futé. Bon, méthode contre bison futé pour Romano, contre la méthode du geek pour Cédric. Bisigu. Bisigu à toi, Romano, et merci pour ta méthode. Super. Ouais. Mais là, place au lover. Les deux lovers sont là et de retour dans le studio. Cédricain ce soir. Je suis là de retour à la famille. Et oui, ça nous fait plaisir. En mode opérationnel. Bien content de te retrouver en direct. Ah ben moi aussi, je suis bien content de vous retrouver. Oh, nous aussi. Même si la semaine dernière, on a réussi à faire les clashs en direct de chez toi. D'ailleurs, la semaine dernière, t'en as gagné 2 sur 3. Ah putain, ouais. Et oui. Alors, c'est une comédie pas belle performance. C'est-à-dire, Romano, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, il avait bien raison. Qu'est-ce que t'as? Il en a bien profité. Mais les trucs sont bons au clash de la drague. T'auras un tuyau dans la bite. On aurait profité aussi. Ah non, mais c'est clair, mais encore pire que lui, je crois. Mais... D'ailleurs, je vous dis, je suis revenu ce soir, mais je suis encore souffrant. Hein. Oh bah ouais, ouais. Bah ouais, ouais, bah écoute, dis, j'ai encore si ça très va mal. Pas, on appelle les pompiers, puis on te sort de là, et puis. Voilà. Non, mais j'ai besoin de votre soutien, c'est ça que je veux vous dire. Bon, en tout cas, vendredi, la comédie a cessé, puisque j'ai repris le titre. Et ben, on va voir qui va gagner ce soir. Ce soir, je compte sur vous, vous laissez pas embobiner là par l'autre, là, ça va très bien. Laissez pas embobiner, gros, attends, je suis souffrant, je suis malade, j'ai un tuyau dans le corps. Qui passe par la bite. C'est quand même... vous bien une chose, ça irait vraiment pas, il serait pas là, il serait encore à l'hôpital. C'est quand même bien quelque chose, quoi. Quand il libère à l'hôpital, c'est que ça va à peu près. Ouais. C'est vrai, tu as raison, Romano. À peu près, tu l'as bien dit, ouais. Donc vous êtes en forme tous les deux, c'est la bonne nouvelle de ce soir. Vous avez deux méthodes tous les deux. Cédric, la méthode que t'as choisie, c'est la méthode de... Du geek. Ah oui, du geek, c'est vrai. Voilà. Et Romano, la méthode que tu as choisie, c'est la méthode que j'ai appelée bison futé. Bison futé contre le geek. Vous allez voir tout de suite, voici la démonstration. Et on commence par toi, Cédric. Allez, vas-y. Et on choisit la ligne numéro 7. Frédéric. C'est Frédéric qui t'attend sur la ligne numéro 7. Allez, Frédéric. Bonne chance et surtout, écoutez bien. Hein, vous ayez un préféré ou pas, qui va être le meilleur? C'est ce qu'on voudra savoir dans un instant grâce à vos votes. C'est vous qui avez le destin de Cédric et Romano en main. Allez Fred, allô. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur. Ça commence. Qu'est-ce qui t'arrive ma gueule? Bah c'est un répondeur, je vais pas parler à un répondeur. Ah bon? C'est bien Cédric. T'es pas bête. C'est qu'il faut en avoir dans la tête pour être clasheur. Bah qu'est-ce que tu crois? Et ouais. Et là on a choisi la ligne 8, c'est qui? Stéphane. Stéphane. Allez Stéphane. Allez Stéphane, c'est pour toi Cédric, bonne chance. Je sens que Stéphane je vais le serrer. Allô. Allô. Ouais Stéphane. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, c'est qui? Ben, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là, parce que je suis un peu accro aux jeux vidéo là ces derniers temps là, ça fait quelques mois. C'est qui Michel? C'est qui Michel? Ben, justement, je me présente, je suis Michel, fan de jeux vidéo. Ouais. J'arrête pas de jouer à la console, je passe 12 heures par jour et on m'a demandé de trouver d'occuper mon esprit à quelque chose d'autre, genre trouver une femme ou un mec pour je sais pas, pour faire l'amour par exemple, tu vois, histoire que j'oublie un peu ma console. Ouais. Donc je voulais savoir si je pouvais pas venir chez toi histoire qu'on fasse connaissance. Ça dépend, c'est quelle radio? Ah bah écoute, là j'ai pas encore de radio sur moi, mais on pourrait écouter de radio si tu veux, y a pas de souci. Ah non, mais c'est quelle radio là? Non, non, c'est la console que je joue moi, tu sais. Un petit cadeau. Ouais. Allô? Un cadeau dedans. Ta gueule. Bon, ta femme elle est là ou pas? Non. Ouais. Bon, tu peux me la passer à la limite, je veux voir ça directement avec elle. Bah elle est occupée, elle a fait prendre le bain au gosse. Bah moi j'aimerais bien qu'elle s'occupe de moi aussi. Pourquoi ils sont sales?
Et moi, j'aurais bien gagné un cadeau, hein. Bah écoute, on verra ça après. Déjà, j'aimerais bien savoir si ta femme ne voudrait pas me faire prendre un bain, par exemple. Oh, si, je pense, ouais. Moi aussi, j'aimerais bien. Parce qu'il est très sale, mon ami. J'aimerais bien qu'elle me frotte un peu le dos, tu vois. Ouais. Tu tiendras pas dans la baignoire. Et après. Ah ouais, merde, la baignoire des gosses, puis les gosses vont avoir peur. Ah, ta gueule. Ah, non. Et après, ouais, si elle veut, elle pourra me frotter autre chose. Et quand ils vont voir ton tuyau qui dépasse de la bite, les gosses, ça va les terroriser. Bah, ta gueule. Et traumatiser à vie. Allô, bon, c'est bon, je peux m'occuper de ta femme ou pas? Bon, c'est Stéphane, c'est Stéphane, ton prénom? Bon, bah, Stéphane. Non, non, attends. Non, mais il a trouvé que c'était la radio, on passe à la suite. Bah, alors, il a dit, je peux m'occuper de sa femme, gros. Il a dit avant la radio. Si vous le faites dans son sens. Le cadeau, eh bien, tu vas pouvoir choisir. Et c'est Cédric de Skyrock lui-même qui va te le payer. C'est vrai, c'est cool. C'est je vois que ça met la famille en joie derrière. Putain. Ouais, Les enfants. Elle est contente. Ouais. Ah, elle est contente. Elle est contente, madame. Eh ben, elle est contente. Elle est toute propre et elle est contente en plus. Bon, c'est bon, je m'occupe de ta femme, c'est bon? Ah, ok, ouais, Cédric, c'est ça. Je te ramène un cadeau, je m'occupe de ta femme. Eh oui, mais oui. Ouais, ouais, moi, j'ai mon cadeau, Romano, Cédric, tout ça, tout ça. Ah, allez, tu vois qu'on est fidèle. Tu vois, Romano? Oh, bah, il est là en plus. Pas de galère, moi, je suis là, mais c'est. Malheureusement, c'était pas moi qui t'ai dragué. Bien dommage. Ah, mais j'aurais bien voulu, Romano. Ah, bah oui, mais c'est l'autre. Ah, bah, s'il vous plaît, c'est moi. Désolé. C'est moi qui vais m'occuper de ta femme. Ah, bah, puis, va te payer ton cadeau. Cédric va surtout te payer ton cadeau, il est très gentil. Et m'occuper de ta femme aussi, tu l'as dit. Oui, mais oui, c'est ça. En gros, il l'a dit. Ouais, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je trouve quand même que Cédric, il en prend toujours plein la gueule. Hein. Je l'écoute toujours. Vois, et tu perds au clash. Romano, il en prend toujours plein sa gueule. Hein. Romano est quand même plus fort au clash, tu trouves pas? Non, non, mais on parlait pas du clash, là. Il parlait de prendre plein la gueule. Ah, Romano, ouais, j'adore Romano ce truc. Romano est plus fort au clash, effectivement. Mais. Oh. Bon, Stéphane, toi, t'auras pas de cadeau finalement. Hein. Non, mais j'ai quand même dit, il y a un mais. Il y a un mais. Il est plus fort au clash, pourquoi? Parce que les gens votent pour lui. Mais c'est pas forcément les meilleurs votes. Hein. Ah, vous entendez? Votez bien ce soir. Faites comme Stéphane, votez Cédric tout à l'heure. Non, mais il a pas dit ça non plus, Cédric. Si, si. Hein. Bah, si, il a dit qu'il allait voter pour Cédric, il va dire. On te garde, Stéphane, tu raccroches pas et puis on t'envoie ton cadeau. Merci pour tout. Hein. Et salut la famille derrière. Salut Stéphane. Les gars, y a pas de soucis. Salut Stéphane. Ciao. Embrasse ciao. Ta femme. Salut Stéphane. Ouais. Bon, on remet les compteurs à zéro alors. Hein. Si vous venez juste d'arriver, bah écoutez, on est au premier coup de fil et je redonne un coup de fil à Cédric. Et ça lui a déjà coûté un cadeau. Et un cadeau. Baby, comme ça, hop là, un cadeau pour la famille. Quel retour. Eh ouais, t'as bien fait de revenir Cédric, tu vois. Putain. Vous qui laissiez des messages pour souligner que vous étiez content, eh ben vous avez raison. Qui? Allô? Hein? Jacques. Allô Jacques? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, ouais. Bah ça va, tu peux parler dans le téléphone, j'entends très mal là. Moi je t'entends bien. Bah attends, retire ta bouche du téléphone, je t'entends mal. Oui. Tu m'entends? Oui. Bon, dis-moi, je t'appelle là parce que moi je suis un peu accro aux jeux vidéo. Et j'ai vu des amis qui m'ont conseillé de rencontrer des gens pour un petit peu oublier mon addiction aux jeux vidéo. Oh, bien. Donc je me dis, soir, je vais appeler Jacques et je vais voir s'il est là avec sa femme. Et puis bah à la limite, elle pourrait s'occuper de moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, ouais. Genre, je viens, je me pose dans ta chambre, on fait des petits câlins, des petits massages. Et puis après, bah on fait des choses, quoi. Entre adultes. Ouais. Allô? Ouais. Je sens que ça te ferait plaisir. Ah oui, alors tout à fait, oui. Ah, je sens que t'as envie de me faire l'amour, toi. Non, alors. Bon, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que déjà. Bon, bah, je sens que tu veux que je m'occupe de ta femme. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vais m'occuper d'elle, la belle. Et puis, à la limite, si tu voudras participer, je te laisserai un petit peu de place, d'accord? Ouais, mais qui est à l'appareil? Bah, c'est Michel. Michel, l'accro aux jeux vidéo, on m'appelle. C'est parti pour un tour, maintenant. Ah, bon. Qui est à l'appareil? D'accord? Ouais. Bon, bah, j'arrive dans 5-10 minutes, d'accord? Tu dis à ta femme de se préparer, qu'elle prépare le lit. Et puis, bah, je débarque, d'accord? Débarque, mais alors, t'inquiète pas si je te fous dehors, hein. Ah, bah, ça, d'abord, je m'occupe de ta femme, après, tu pourras me foutre dehors si tu veux, tu vois, y a pas de problème. Ouais, mais je commencerai par là, d'abord, hein. Bon, bah, très bien, bah, je m'occupe de ta femme, et puis après, on verra, d'accord? Ouais, bah, à la limite. Arrête tes conneries, hein. Bah, sinon, je la ramène à la maison si tu veux plus d'elle, hein, tu sais. Ça se gâte. Arrête tes conneries, hein. Bon, bah, j'arrive tout de suite, mon petit Jacques, d'accord? Ferme ta gueule, toi, sur mon appel. Allô? Qui est à l'appareil? Il est parti. Aïe, je dirais rien, parce que bon, c'est à vous de juger. Dans un instant, vous pourrez voter. Romano ou Cédric. D'ailleurs, Romano, c'est l'heure de ton coup de fil, je vois que tu souris. Et d'ailleurs, Romano, faudrait éviter de parler sur mes appels. Non, mais gros, ils m'entendent pas, je parle super loin. Et pas plus tard que vendredi, t'as essayé de squatter un de mes appels. Donc bon, bah, c'est quoi, moi aussi, je vais parler. Non, parlez pas, je suis l'arbitre et j'interdis, sous peine de carton rouge, de parler sur les appels de vos conseils. C'est qui déjà, pour moi, là? Pierre-Gilles. Très bien, ils sont deux alors. Ouais. T'arrives pas à en serrer un des deux, Romano, plus quoi faire. Alors, Pierre-Gilles. Bon, bah, Pierre et Gilles, ils sont pas là, je crois. Ils sont pas dans Pierre et Gilles. Dommage. Le conseil à Pierre d'Alain pour la transpiration. Non, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus efficace Pierre Alain que Gilles. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Bon, on oublie Pierre-Gilles et hop, on passe à la suite. Ligne numéro 7. Fabien, j'espère ça Fabien, que... oui. Ça Fabien pour lui. Allô? Allô, Fabien? Ouais. Ouais, ça Fabien?
C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, là. Dis donc, en fait, je t'explique, je t'appelle. Je suis un touriste, j'étais en week-end dans la région, là, près de chez vous. Allô? Oui. Oui. Et en fait, ce soir, là, j'ai vu qu'il y avait plein de bouchons sur la route, là, donc j'ai pas trop envie de rentrer ce soir. Et vu que j'ai repéré ta femme, je me disais que je pouvais peut-être la rencontrer ce soir et rester chez vous jusqu'à demain matin. Moi, je dis que t'as qu'à être fait enculer parce que t'es un gros con. Mais je peux venir ou pas? Casse-toi, prends l'heure. Non, mais je vais venir, là. Ouais, bah viens. Tu vois ça, je vais venir et je crois que je vais bien m'occuper de ta femme. Ouais. Et de toi aussi après. D'accord. Donc je vais vous faire l'amour à tous les deux, après je dors un peu et puis demain matin je reprends la route. Ok. Tu vas partir avec un grand coup de poing dans ta gueule, espèce de petit con. Je préférais l'avoir dans les fesses. Je peux. Si vraiment t'avais de la gueule, donne-moi ton nom. Ah ben moi je m'appelle Monsieur Lapince, Jean-Louis Lapince. Ouais. Donc non mais de toute façon t'inquiète pas, je suis là dans 5 minutes. Hein. Ouais bah je t'attends. Bah j'espère bien que tu m'attends. Dis à ta femme de se foutre à poil et puis on attaque direct. Hein. Ça te branlerait. Parce que j'aimerais pas me coucher trop tard ce soir, j'ai quand même de la route à faire demain moi. Donc je lui mets un petit coup, à toi aussi, puis après on en parle plus. Bon bah je te dis à tout de suite. Allô? Bah parle Je crois que ça se ouais passe, bah là. Parle. Ouais bah je t'écoute. Bah je te dis que j'arrive. Bah vas-y, je t'attends. Bah à tout de suite alors. Vas-y. Bisous, bisous, bisous. Ouais bah tu renculais ça bâtard. Bisous, bah à tout de suite, oui. Oh tu n'en peux plus là déjà. Ouais. Ça le fait aider, bon. Ah mais moi j'arrête, je bande là. Ouais bah tu dois pas avoir une grosse bite. Bah non ah, mais bon, ça c'est vrai. Comment ça, tu sais? Ça suffira pour ce que je vais faire à ta famille, à toi. Ouais bah viens. Eh bah j'arrive. À tout de suite mon amour. À tout de suite, oui. Et moi aussi je t'aime. Ouais, bien, voilà. Attends, comment tu l'as envoyé chier gros. Une invitation. Ah ouais bah j'ai un gros. Une invitation, je viens. Bon, j'avais prévu de faire ça en un coup de téléphone, parce que bon, logiquement, le clash, c'est un coup de téléphone chacun que le meilleur gagne. Mais comme Cédric est de retour et un peu convalescent, je vais te laisser une deuxième chance. Tu peux enlever le valet sans va. Un peu con. Allez. Ah, c'est pour toi le coup, ouais. Vas-y, Cédric. Attends, gros, tu vas te faire défoncer la gueule. C'est tout ce qui va se passer. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour le moment? À part payer un cadeau. Greg. Grégory. Non, non, moi, Jacques. À part payer un cadeau, t'as fait quoi? Allô? Oui. Allô, Grégory. Oui. Bonsoir, comment ça va? Ça va. T'es qui? T'es avec ta femme et les enfants, là? Ouais. Ah bah très bien, c'est Michel au téléphone. Je t'appelle là parce que j'ai un petit souci en fait. Je suis accro aux jeux vidéo là depuis quelques mois là. J'arrive plus à m'en passer quoi. Et du coup j'ai des amis qui m'ont conseillé de rencontrer des femmes ou des mecs quoi. Donc à la limite ce que je pourrais proposer ce soir c'est que tu t'occupes des gosses et puis que moi je vienne à la maison histoire de rencontrer ta femme. Ouais puis je vais m'occuper de ta frange. Ah bah écoute, si tu veux t'occuper de mes fesses à la limite ça me dérangerait pas. Ouais, ouais. Bon, bah, ce que je fais, c'est que je viens dans 5 minutes, tu t'occupes un peu des gosses, je m'occupe de ta femme, et puis bah, après, tu t'occuperas de moi si tu veux, une fois qu'ils sont couchés. Ouais, 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 je m'occupe bien, bien. Bah, écoute, dis à ta femme de préparer la chambre, là, qui prépare le lit d'amour, et puis je débarque dans 5 minutes, mon petit chéri, d'accord? Ouais, ouais, bien. Ah, dis-lui que je suis chaud, là, parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs de dingue. Avec ta tête, tu vois, ce que je vais faire avec ta tête, moi? Bah, avec mon cul, déjà. Non, non, avec ta tête, je t'ai dit. Ah, bah, écoute, tu t'occuperas de ma tête si tu veux, moi, je m'occuperai de ta femme. Ouais. Et puis, bah, après, on verra, d'accord? Ouais, si tu veux, ouais, je m'occuperai de tes fesses. Je m'occuperai de tes petites fesses. Ouais, ok, ça d'accord marche. D'accord? Ouais, ouais, ouais. À tout de suite, mon chéri, bisous. Ouais, ouais, ouais. J'arrive. Ouais, t'es enculé. Ah bah, tu vas m'enculer. Encore, si tu veux. Décidément, qu'est-ce qu'on se fait enculer ce soir? Ah bah, tu pourras m'enculer à sec, tu vois. Allez, vas-y. J'arrive, mon chéri, à tout de suite. La fin, tu l'as écœuré là. Mais tout le monde se fait enculer, c'est fou ça. Romano, c'est faire les fesses. Non, il m'a dit la tête, il a bien précisé, c'est la tête. D'abord, il veut que je m'occupe de ta tête. Et après, il veut que je m'occupe. Il va dire en même temps, vu la gueule que t'as, il y a du boulot. Et après, il veut s'occuper de mes fesses. Excuse-moi, gros. Oui, reste avant. Non, non, il a jamais dit ça. Ah, si, il a dit, va m'enculer. Bon, tu prends ton deuxième coup de fil ou pas, Romano? Ah, bien sûr que je le prends. On te croit que c'est Noël là? Ah, bah non, c'est pas Noël, on est le lundi de Pentecôte. Bah, justement. Apple. Eh oui, Marie. Alain. Bonne année, au fait. Hein. Ouais, Marie. Bonne année, Marie. Alors, Alain pour toi. Allô, Romano. Alain. Oui, tu vas pas lui faire cette très bonne blague. Allô, Alain. Oui, allô. Bon, on passe à un autre alors, puisque Alain, il a passé le seuil fatidique des 5 sonneries. Désolé pour Alain, on pourra pas lui faire la blague. Allô, Alain, on a eu quand même un Fabien tout à l'heure. Tu as pu lui faire la blague. Ça Fabien. Alors, ligne numéro 7. Jean-Mich. Et c'est le dernier coup de fil, hein. Après, vous allez pouvoir allez, voter. Allez, Jean-Mich. Attendez avant de voter. En piste, Jean-Mich. Oui. Viens là, mon mignon. Bah, il répond pas, il sonne pas, Jean-Mich. Viens là, mon mignon, c'est bison futé à l'appareil. Ah oui, c'est la méthode bison futé, c'est vrai. C'est qui? Alain, ouais. Non, Jean-Mich. Allez, Jean-Mich. Allô? Jean-Claude. 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 Allô? Oui? Ah, oui, ça, ah bah ça, c'est la femme à Jean-Claude. Tiens. Tiens. Non, c'était le gosse. Allô? Ouais, Jean-Claude? Ouais. Ouais, comment ça va? C'est qui, là?
C'est Jean-Louis à l'appareil, je suis un touriste là, dis donc, en fait ce soir il y a des bouchons sur la route. Je préférerais partir que demain, je peux pas venir chez toi, m'occuper un peu de ta femme et de toi. Et je reprends la route demain matin vite fait quoi. Je passe vous voir dans 5 minutes là. Je me pointe à la baraque et puis je m'occupe de toi et de ta femme. Ce soir. Non mais moi j'en ai pas là pour le moment là. Donc je vais surtout m'occuper de la tienne, mais tu pourras t'occuper de moi aussi, y a pas de problème. Hein. Jean-Claude. Oui. Ouais, bon moi j'arrive dans 5 minutes. Hein. Ouais, donc vous foutez à poil, vous sortez les capotes et puis on y va quoi. Ouais. Parce que demain matin, moi je pars tôt, donc j'aimerais vous niquer rapidement quoi. Bon ben j'arrive. Jean-Claude. Par contre, ouais. Par contre, il va falloir changer la musique et moi je pourrais pas baiser là-dessus. Hein. Allô. 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 Ouais. Connerie. Allô. Ouais. Ouais, bon bah j'arrive dans 5 minutes donc pour vous faire l'amour comme c'est prévu hein. Ouais, vas-y, niquez ta mère, fils de pute. Oui, mais j'arrive, tu pourras me le dire en face si tu veux. On a tout eu. Pendant que je serai dans ton anus. À tout de suite. J'ai pas l'impression que ça soit motivé. Sur eh bien, c'est. Non, mais il m'a invité quand même, gros. Invitation. C'est la chaleur, ouais, peut-être, qui les a travaillé, les familles. Ouais, ouais. Elles étaient chaudes ce soir. Ah, bah, très très chaudes. Bah, très chaudes. Et très polies aussi. Ouais, à la fin, ouais. Tout le monde va se faire enculer. Ouais, même, même la famille. Moi, il y a des. Des petites insultes. Moi, il y a des participants surprises, a priori, dans mon clash. Oui, c'est marrant. Je savais pas que je jouais en famille. Non, tu sais pas. La famille en dehors. Oui, c'est ça. Et vas-y, quitte ta mère, elle bâtard. Voilà, sympa comme tout. Sympa. Bon, on va passer aux déclarations. Allez. Déclaration rapide pour Cédric et Romano. Cédric, allez, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir? Pas grand-chose. Musique. Allez. Bon, je suis quand même gros. Attends, t'inventes pas une vie. Donc ce soir, moi, pour fêter mon retour, Stéphane, première famille, je lui offre un cadeau. Parce que je suis très généreux, ça m'avait manqué. Oh, ça t'a pas le choix. Ensuite, ta gueule. Ensuite, Jacques, bon, bah, il avait plus ou moins moyen de gérer sa femme. Et Grégory. Grégory, pour finir. Moins que plus, d'ailleurs. Ta gueule. Parle pas sur mes déclarations. Grégory, on finit en apothéose. Grégory, je me tape sa femme. Grégory. Tranquille, le mec, il a pas dit non. Et ensuite, je sais pas, il parlait de. Il a pas dit non plus, d'ailleurs. Non, bah, voilà, y a rien à dire. Donc, Grégory, je me tape sa femme, et après, je sais pas, il m'a pas d'aller me faire enculer, donc je sais pas, peut-être qu'il voulait me faire le cul, ou je sais pas. Enfin, bref. Pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric, c'est EDRIC, pour mon grand retour ce soir. Votez tous ensemble, c'est EDRIC. Je vous aime très très fort, vous m'avez vraiment manqué. Et je tenais à vous le dire. Merci. Merci Cédric. Romano. Il fait beau, il fait chaud, votez Romano. Je vais chanter, il faut voter Romano. Alors c'est laquelle celle-ci? Parce que les paroles c'est toutes les mêmes. C'est... Je crois qu'il est un peu largue là. Il faut chanter Romano, il faut voter Romano. Et c'est quoi comme chanson? Ben le truc là, hop là, été, tout. Le truc hop là, okay, été. C'est laquelle? La chanson qui m'a écrite. Bon, je suis obligé de me la raconter un peu, excusez-moi. La chanson qui m'a été écrite par Omar Sy, tu sais. Ah, très bien. Le succès de l'intouchable. Très bien. Ah, genre, mais la chanson écrite par Omar. Alors, écoute, 3, 4. Romano, il faut voter Romano. Surtout pas la voter Romano, ouais. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano, ouais. Bon, ce soir, mes amours, je crois que Cédric, c'est le mec, ça va pas bien dans sa tête, il se fait un peu des gros films. C'est toi, tu te fais des films, comment bon, tu te fais envoyer? Moi, ce soir, tout simplement, je suis invité deux fois, double serrage. Deux fois, je suis invité à venir. En plus, a priori, je vais me faire bien traiter. La première famille, bim, j'aurais dit de se foutre à poil, le mec n'arrêtait pas de me dire, viens. Je crois que c'est plus pour te casser la gueule. Et le dernier coup de fil, je suis également invité. En plus, il y avait l'air d'avoir du monde. Et ma famille est invitée. Eh bien, pour tout ça, votez Romano, votez Bison Futé. R-O-M-A-N-O, ça, Romano allez. Président. Top allez, vote. La pêche. Allez, jusqu'à 30, vous pouvez voter les 22h25. Jusqu'à 22h30, au 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages. Non, 41 Sky et le Skyrock.fm. Pas au standard, vous nous laissez vos messages. Laissez sur Romano. SMS et sur le net. Et au 01 53 40 30 20. 10 secondes pour voter. 9. Romano. Ça va être serré en plus. 8, 8, 7, 6. Romano. Écrivez Cédric sur le téléphone, on envoie ça vite fait. Et c'est fini. Taisez-vous. Fini pour les votes du clash. Le résultat arrive dans un instant. Momo et Karim s'occupent des résultats du clash de la drague. Vous aurez tout ça dans un instant. On aura même tout ça tous ensemble. Ouais. Qui va gagner? Ça va être serré là ce soir, d'après ce que je vois pour les résultats de cette soirée. Le suspense. Putain, pour mon retour, j'aimerais bien gagner. À son comble. Aidez-moi, j'espère que vous avez voté. Non, mais ça sert plus à rien, Cédric, c'est fini pour les votes. Non, mais pour le prochain clash, ça va. Je vois la déjà pour le prochain, tu peux aussi faire celui du mois prochain, si tu veux. Bah non, peut-être pas du mois prochain. Votez pour moi en 2018. Bah, c'est bien. Bah, ce soir, votez Romano, tiens. J'ai les résultats du clash de la drague. T'as voté pour Cédric, toi, Ben.
Bah oui, évidemment, Cédric. Ah, je te remercie bien, ça fait plaisir. Eh bien, le retour de Cédric va-t-il être salué par une victoire ce soir? Attends, juste on a noté un vote là. Il y a Mokobé qui vote pour moi là. Ils m'ont envoyé sur Twitter. Salut Mokobé. Il nous écoute, donc il a voté pour moi. Et aussi Tiny Tempa, là, l'anglais, qui a voté pour moi. Big up Tiny Tempa. Donc voilà, tous ceux-là ont voté pour moi. Putain, ça fait plaisir. C'est ouf. Et je vote sur Twitter. Il n'y a pas eu de stars qui ont voté pour toi. Voilà, non, j'attends les SMS là. Donc la sphère, la twittosphère se manifeste. Alors est-ce que ça va suivre pour te faire j'espère. Est-ce que ça va augmenter ton score du Clash? J'espère bien, putain, parce que là j'ai mobilisé à fond là. Les résultats sont de 52%. Alors, pour Cédric ce soir, quel est le score? J'aimerais bien faire 52, oui. 52. Eh bien, je te l'annonce. Bien non, Cédric Romano. Tu fais ce soir, putain, au Clash de la Drague, le score de 52%. Romano, 52. Hein? Cédric, 48. 48. Dans le cululu. Victoire. Et victoire courte, hein. Ouais, mais victoire quand même. De Romano, bim, ce soir. Bah, t'as bien fait de revenir, tu vois. On reprend les bonnes habitudes. Malgré ma maladie, je suis venu pour vous et vous me soutenez même pas. Oh, 48, c'est pas mal, Cédric. Ouais, mais c'est pas assez, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus, j'étais nul. Ça a été serré tout le long, hein, vraiment. Du début à la fin, je savais pas qui allait gagner. Annonce à ton pote Tiny Tempa et à ton autre pote Mokobé que t'as perdu. Connard, parle bien de mes amis, toi. Bon, bah, Cédric, 48, c'est pas mal. Voilà. Bah, ouais, c'est pas mal, mais enfin, je pensais avoir fait mieux, quoi. Pour un retour. C'est comme l'élection présidentielle, il y a eu pareil, entre autres. Ah, putain, je suis déçu. T'as perdu. Pourquoi tu mets une casquette, Romano? Parce que ce soir, je vais poser façon street, quoi. Street, ok. Romano, il pose pour la photo du blog, pour aller la voir sur bfool.skyrock.com, sur le Facebook de Sky, hein. Pour aller, pour aller voir tout ça, allez-y. Et, Ah, mais gros, fais pas avec la casquette, ça fait vraiment si, la casquette, tu déchires. Ça très bien. Super. Et retire ton casque, alors. Bon, je vous conseille d'aller voir la photo, là, tout à l'heure. Beau gosse. Ah, là, ça fait mieux, là. Beau gosse total. Ah, bon, voilà. T'as look coco, là. Voilà, le look coco, man. Voilà pour la victoire de ce soir. Romano, un petit truc à dire en speed? Bah, déjà, merci aux 52%, hein. Mm-hmm. Je remercie également les 48 qui se sont égarés. Bon, bah, la prochaine fois, vous voulez gagner, votez Romano, hein. Ouais, connard. Vous avez choisi le mauvais camp, ça arrive, je vous pardonne. Et moi, j'aime tout le monde. Merci Romano. Merci en tout cas, ça fait bien plaisir. Bah moi je remercie tout le monde. T'as bien fait de revenir. Je vous remercie toutes et à tous et à toutes, mais je crois que vous avez pas bien compris qu'il fallait voter pour Cédric ce soir. Et le dernier clash du mois, c'est mercredi. Vous entendez comment Cédric vous parle? Vous n'avez pas compris pour qui voter. Je parle pour les 52% qui ont voté pour toi, donc je remercie quand même les 48% qui ont voté pour moi. Et bah merci. Merci, Cédric. Je vous aime très très fort et puis j'espère que le prochain clash mercredi, peut-être qu'il y en a un autre. C'est super le clash aujourd'hui. Les familles étaient chaudes, comme on les aime, c'est super. Ah c'était nickel. Ouais, franchement, parfait. J'ai perdu, parfait, surtout pour les résultats. Bon, vous êtes prêts? On va passer un petit coup de fil à l'autre là qui en parlait de draguer là. Est-ce qu'il est macho?